bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui nous sommes samedi et le samedi chez nous c'est jour des courses. Donc aujourd'hui je suis allée chez Leader Price parce que pour ne rien vous cacher, ce mois-ci est un mois de grosses dépenses parce que nous avons les 5 ans de ma petite choupette qui arrive. Donc ici ça va être un mois avec un peu des dépenses. Donc ce mois-ci ça va être un petit peu serrage de ceinture. Donc du coup j'avais encore assez bien de courses que mon mari m'avait ramené du drive de chez Colruyt de la dernière fois. Donc ici j'ai été chercher les petits compléments qui me manquent. Okay. Et donc avec ceux que j'ai là, j'ai pour voir venir, donc en plus de ceux qui me restaient. Donc on a vraiment de quoi faire. Allez, c'est parti, je vous montre. Alors, on va commencer par les congelés pour que je puisse aller les mettre directement dans le congélateur. Donc ici, j'ai pris un sachet d'un kilo de brocoli en fleurette. Moi, je prends mes légumes frais chez le légumier, comme vous le savez. Cette semaine-ci, je n'ai pas su y aller. Donc, du coup, j'ai pris quelques légumes congelés. Et puis, quand on fait une soupe ou que parfois un petit repas vite fait, on en a toujours dans le congélateur. Donc ici, un kilo de brocoli. J'ai également pris un kilo de poireaux en rondelles. Donc, franchement, ils sont super bons chez Leader Price. Et alors ici j'ai pris du cola d'Alaska pané, donc le poids il y a 800 grammes, donc c'est 8 fois 100 grammes. Ça en général je les accompagne de légumes verts, des blis, ça je vous montrerai comment je les prépare dans une prochaine vidéo. Je vais ranger les congelés, j'arrive. Et voilà, alors les congelés sont rangés, donc chez vous ça n'a pris qu'une fraction de seconde, moi ça a pris le temps de descendre dans le garage, de mettre dans le congèle et de remonter. On continue. Alors mes filles adorent l'Oasis, donc ici je leur ai pris le saveur exotique en 2 litres de chez Leader Price. On l'a déjà goûté et franchement il est pas mauvais, donc ça fait le job. J'ai pris... Je suis essoufflée, c'est normal. J'ai pris donc 2 petites bouteilles de crème fruit. Enfin, petite, c'est quand même de 50 centilitres. J'ai pris ces 2 petits pots de crème pour pouvoir faire des pâtes aux 4 fromages. Et je vous partagerai également la recette. Donc ici, j'ai pris du gorgonzola. J'ai repris du grana padano. Je vais y arriver. Donc ça, c'est un peu l'équivalent du parmesan. Alors, j'ai pris... 2 paquets d'emmental. J'ai pris de la mozzarella râpée. Et bien celle-là franchement c'est la première fois que je l'achète. Donc vraiment la marque Leader Price, c'est la première fois. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Et mon mari ça c'est... Il adore, c'est les dames comme ça. Mais vraiment celui de chez Leader Price. Je vais y arriver, on est des gros mangeurs de fromage. Donc ceci ça va nous faire un repas. Donc voilà. On s'est pris également une crème lavante au savon de Marseille et à l'extrait d'huile d'olive, la marque Soa, donc c'est la marque je pense de chez Leader Price parce que comme vous le savez, avec le coronavirus il n'y a plus nulle part de solution hydroalcoolique, donc un bon lavage de main fait le nécessaire, donc on a repris du savon, on va passer de l'autre côté. Alors ici on a pris les cordons bleus, donc de la marque Régalal. Franchement ils sont super 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 bons. Alors ici il y a 1 kilo, donc moi en général je les fais sur 2 fois. Je congèle le reste et franchement tant qu'on les décongèle bien à l'avance, il n'y a vraiment aucun problème. Et de toute façon ici ils ont une date assez lointaine, ils sont bons jusqu'au 6 avril. Mais moi par mesure de sécurité je les congèle quand même, donc voilà. Alors je me suis reprise des petites pommes de terre, donc des spéciales pommes de terre à chair ferme des Nicolas. Donc fruits et légumes de Wallonie, les saveurs du Mignelou à Gosly, donc Gosly c'est en Belgique. Donc voilà, donc ici il y a 2,5 kg. Alors on a été donc chercher des pâtes, alors chez Leader Price, pas besoin de vous dire, c'est un magasin à la base français, les pâtes premier prix, il n'y avait plus rien. Donc ici on a pris des escargots comme ceci, voilà. À la base je voulais des penne parce qu'on aime bien les penne aux 4 fromages, mais il n'y en avait plus, donc on a pris ce qui restait. Les escargots, et là le monsieur nous a dit que c'était vraiment une grosse pénurie de pâtes, de farine, de riz, donc il fallait prendre ce qui restait. Donc on a pris ça. Alors j'ai pris donc des oignons, j'ai pris un petit sachet de 1 kilo, oups, voilà, 1 kilo d'oignons. Alors j'ai pris
des tomates allongées. J'adore ces tomates là, donc ici c'était 1 kg aussi. Voilà. Alors j'ai pris donc un mix de 3 poivrons comme ceci. Alors j'ai pris des pommes granny, des pommes vertes. Alors il faut savoir pour la petite histoire que ma fille a sa dent qui balance. Alors elles ont été voir un tuto sur internet qu'il fallait manger une pomme pour que la dent puisse tomber sans qu'on ne l'arrache. Donc elle m'a dit que tout à l'heure elle allait manger une pomme. Donc voilà. De toute façon elle mange toujours beaucoup de fruits, donc ça j'ai aucun problème. Les pommes. Alors ici mon mari donc a pris un sachet de citron. Voilà. Hop. On a également pris des bananes. Donc voilà, banane premium. Très glamour, j'ai pris deux boîtes de petits bâtonnets. Voilà. Et alors, ils se sont fait plaisir. Donc moi, je ne suis pas une grande fan de pâtisserie, mais mon mari et mes filles bien. Donc ils se sont pris deux millefeuilles. Donc la marque La Lorraine, ça c'est une marque belge. Et bah franchement c'est un peu cher je trouve, à 2,65€ pour deux, voilà c'est pas donné mais bon voilà, pour se faire plaisir, ils voulaient ça. Donc voilà, alors au total j'en ai eu pour 45,27€ je pense, donc vraiment voilà. Donc faut savoir que j'ai quand même des légumes pour assez bien de temps. Je vais vous reprendre comme ceci, hop, voilà. Donc j'ai des légumes pour plusieurs préparations, plus ceux que j'ai en congelé, donc c'est nickel. J'ai les cordons bleus qui, eux, sont à presque 10€ la boîte, je pense. Donc il y a les fromages, etc. Donc voilà, donc là, normalement, pour la semaine qui arrive, on est bon, et voire peut-être même la semaine d'après. Il y aura juste quelques petits ajustements à faire, comme voilà, du pain, des baguettes, deux, trois petites choses comme ça, mais rien de fou. Donc voilà, c'est un mois niveau budgétaire et niveau alimentation qui s'annonce plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire et dites-moi justement si vous aussi, que ce soit en France ou en Belgique, vous allez chez Leader Price, les produits que vous aimez, les produits que vous n'aimez pas. Moi, il y a des choses que voilà, chez Leader Price, j'aime pas trop. Par exemple, les lessives, etc. Je trouve qu'elles sont quand même beaucoup plus chères qu'ailleurs. Voilà, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de chez Leader Price. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, hyper important, comme ça quand je fais un post ou que je publie une nouvelle vidéo, et vous êtes au courant très vite. Et voilà, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.